lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. Donc j'ai été le chercher sur le site de Pocket Jeunesse. Donc là c'est tag la musique. Donc 9 questions. Oui, 9 questions. Donc on commence tout de suite pour pas que ce soit trop long. Alors, question 1. Lisez-vous en musique ? Oui et non, ça dépend où je me trouve en fait. Par exemple, au travail, je lis souvent avec un fond musical. À la maison, ça m'arrive un peu moins. Donc voilà. Question 2. Si oui, quelle est votre lecture du moment et quelle chanson vous accompagne ? En ce moment, je lis d'Introti et autres je ne sais quoi. Enfin voilà. C'est de Holly Martin, c'est un tome 2. C'est la suite de celui-ci. Donc j'en suis actuellement à 39% et je lis. La plupart du temps je lis au boulot, donc oui, j'ai toujours la radio en fond. Quelle chanson vous accompagne ? C'est les chansons du moment. Hein. En ce moment, c'est du Ed Sheeran à mort. Hein, le Shape of You, elle tourne. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas contente ? Je te dérange ? Excuse-moi. Donc voilà, c'est les hits de moment. Il y a quoi d'autre qui tourne en ce moment ? Je connais les chansons, mais les titres. Il y a Love in the Brain ou un truc comme ça de Rihanna aussi qui tourne. Enfin voilà, c'est voilà. J'écoute la radio, donc forcément c'est quasiment en boucle toute la journée. Hein. Donc j'essaye de changer de radio pour alterner un petit peu. Mais voilà, je suis sur Virgin Radio, Contact, Skyrock. Enfin voilà, ça tourne. Après, question 3. Citer un roman qui parle de musique. Je vais. Ah bah non, ils sont pas. Ils sont derrière. Maybe Someday, on va dire. Hein, voilà, Maybe Someday. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon alors ? T'es malheureuse ? Viens pleurer. Donc oui, roman qui parle de musique, Maybe Someday, forcément. Si vous l'avez pas encore lu, allez-y. Hein. Question 4. Citer un héros, une héroïne de roman qui chante. La saga Faustless de S.C. Stephens, donc Kellan Kyle, hein, forcément. Chanteur, Kellan Kyle des D-Bag. Alors, question 5. Avez-vous des souvenirs livresques associés à de la musique, une chanson qui vous fait penser à un livre ? C'est pour Fight for Love, Iris, des Goo Goo Dolls. Voilà. Question 6. Citer un livre dont le titre évoque la musique. Un titre qui évoque la musique. J'essaye de tricher un peu là, mais. Qui évoque la musique. J'ai pas ça. Enfin, je pense que j'ai pas, mais à mon avis, j'en ai peut-être un. Mais ça me dit rien du tout. Rock. Voilà. Dire rock, la saga des stage dive. Voilà. Ouais, je vois que ça. Et je l'ai pas dans ma bibliothèque en plus. Ensuite, question 7. Citer un livre dont la couverture est explicitement musicale. Alors là,
la musique, une couverture. J'essaye d'en voir un avec. Je sais même pas si. Ouais, je vais mettre celui-là. Mais, voilà, les étoiles en moi. Mais vous voyez le micro, voilà, les notes de musique et autres. Moi, je dirais que je mettrais celui-là. Hmm, ça compte? Bah oui, ça compte. Sans plus. Question 8. Citer un personnage de livre qui joue d'un instrument de musique. Ah bah. Ridge. De Maybe Someday. Hein. Ou Kellan, il joue aussi de la guitare, il me semble, Kellan, hein, il fait pas que chanter. Hein. Après, les prénoms de ceux qui sont dans le groupe des Stage Dive, là je ne sais plus du tout aucun prénom. Hein. Peut-être David. D'accord, je me trompe peut-être. Mais voilà. Ensuite, question 9. Citer un roman pour lequel l'auteur propose une playlist. Je suis désolée, je vais encore devoir dire Maybe Someday de Colleen Hoover. Voilà, il y a une playlist, voilà, un album complet et qui est très 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 bien. Donc voilà, je vois que celui-ci. Ou sinon, il me semble que pour les Fight for Love aussi, il y a une playlist, enfin, au début, il me semble. Mais je sais plus où je les ai rangés, les Fight for Love. Ils sont derrière quelque part. Et le premier, il me semble. Voilà, première page, vous avez... Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Iris des Googles. C'est la première musique qu'il propose et c'est une de mes chansons préférées. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai surlignée. Donc, Fight for Love de Katie Evans. Real. Donc là, vous avez une playlist complète. Et j'adore quand il y a ça dans un bouquin. C'est vraiment agréable, je trouve. D'avoir une musique qui correspond à tel passage, je trouve ça cool. Donc voilà pour ce tag. J'ai fini, hein ? Oui. Donc voilà pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire sur vos chaînes, si vous avez une chaîne, ou sur votre blog, si vous avez un blog. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. I was good.